Mais frérot, j'espère que vous avez la forme. Tu vois bien votre vie, les gars. Aujourd'hui est un jour historique. Un grand jour, car t'as pris le théorème de OPBR, les gars. Je vais avoir mon tout premier personnage Overboost, les gars. Et je me devais de le faire en vidéo, les gars, et vous donner potentiellement mes petits conseils. Pour ceux aussi qui ne connaissent pas très bien ce milieu-là du jeu, l'Overboost, les gars, je vais vous donner les petits conseils et tout. Alors aujourd'hui, ça va être principalement grâce à ce Luffy Film Red, les gars. Pourquoi? Ben parce que c'est un petit peu le personnage offert actuellement et pour la deuxième fois, c'est pour ça en fait, parce que il a été offert l'année dernière déjà, j'avais pu le mettre niveau 100, et là cette année encore, il était offert avec des diamants, si j'arrive à les trouver, je les ai peut-être tous pris, je ne pense pas, mais vous voyez, premier anniversaire, film raid et tout, en gros, vous pouvez récupérer ces fragments et tout, voilà, ils sont là, et donc, la première fois qu'il était offert, je l'ai monté niveau 100, et là, ça m'a permis de rassembler tous les fragments et tout, pour le passer Overboost. Parce que oui les gars, moi de base j'étais chaud, j'étais déter mon gars, pour faire une chose qui en réalité est assez conne, c'est en fait d'augmenter le overboost d'un gros personnage comme Luffy SBF, ce qui en fait est pratiquement impossible, parce qu'il va te falloir des centaines et des centaines et des centaines de fragments, ça va prendre un temps fou, ça va te coûter hyper cher, c'est impossible. Là voilà, ça fait un moment que je l'entraîne, le Luffy. Regardez à peine où est-ce que j'ai pu lui améliorer le truc. Alors pour lui augmenter jusqu'au overboost gros, il y en a pour une éternité. Ce n'est pas possible. C'est là où du coup l'un des premiers conseils arrive, c'est pas d'augmenter l'overboost sur un gros personnage puissant comme le FSBF, mais sur plutôt un petit personnage qui de base était 3 étoiles, comme par exemple une Alvida. Tu arriveras beaucoup plus facilement à mettre overboost une Alvida qu'un le FSBF, tu vois. Et vu que le over... Et vu que le over... Ah! Et vu que le overboost s'active sur tous les personnages, c'est pas grave d'augmenter une Alvida, tu vois. Mais là, du coup, nous, pour le coup, c'est pas Alvida, c'est ce Luffy-là. Et du coup, c'est, je trouve, la chose la plus intéressante, voilà, pour ceux qui aimeraient overboost ou quoi. Attendez qu'il y ait un personnage comme ça, qui soit offert, et il te donne des fragments en masse et en masse. Je pense que s'il est offert juste une fois, tu n'auras pas assez de diamants pour le mettre overboost max. Mais s'il revient une deuxième fois comme celui-là, tu vas le pouvoir. Mais écoutez les gars, on est parti. Là, ça devrait être le moment satisfaisant. C'est que je vais pouvoir pratiquement tout up du premier coup. Alors, il va juste me manquer un petit peu de trucs à la fin. Voilà, là déjà, déblocage de voir boost 1. Bon, c'est la première fois que je vois ça, ça fait plaisir, gros. Je bande, ça me régale. Voilà, là, ça a tout débloqué d'un coup. Ça, c'est beau, ça me fait plaisir. Par contre, on va regarder les pièces, les frères. Non, ça va, je m'attendais à ce que je perde beaucoup plus de pièces que ça, mais non, au final, tu vois, franchement, ça va. Mais attends, c'est pas fini, il y a aussi ici. Ok. Franchement, en termes d'argent, du coup, je pensais que ça lui coûtait cher. Ça aussi, c'est un truc dont je voulais parler. Je me suis dit, voilà, ça va vous coûter cher en zénith pour augmenter l'overboost. Mais pas tant que ça, 300 000, ça va, je m'attendais à plus. Et c'est pas fini, du coup, il m'en manque un. Parce qu'il me manque, ok, deux petits trucs comme ça, je devrais pouvoir les récupérer facilement, et 90 trucs comme ça. Ben, on va voir les gars, où est-ce qu'on peut les dropper. J'ai regardé ça juste avant la vidéo, donc c'est les boules de boost spéciales. Où est-ce qu'on peut dropper ce genre de récompense, les gars? Ben, bien sûr, ça va se passer ici. Ben, on va regarder un petit peu partout. Normalement, là, il n'y en a pas, je pense. Non, il n'y en a pas. En fait, normalement, les gars, le meilleur endroit pour les trouver, c'est les colas. Voilà, c'est ici, et t'en as plein. T'en as beaucoup, c'est pas si cher que ça. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, potentiellement, les personnes les plus débutantes qui ne savent pas comment avoir des colas, c'est quand tu as un personnage qui est niveau 100 et que tu le redroppes, eh ben, tu vas pouvoir dropper des colas, en fait. Donc voilà, si tu as Alvida niveau 100, tu dropperas quelques colas. Ça, par contre, c'est pas la même boule de boost, tu vois. Ça, là, c'est pour les compétences. Ici, je crois qu'il n'y en a pas. Il faut regarder tout en bas et il n'y en a pas. Des fois, ça peut changer. Qui sait, peut-être que des fois, il y en a, mais je ne pense pas. En tout cas, il y en a dans les colas classiques. Ici, il n'y en a pas non plus. Écoute, du coup, moi, je vais l'acheter. Ça va coûter un petit peu cher quand même, mais ça ira. Donc, il m'en manquait 90. Voilà, 9, c'est tout. Ben, impeccable, mon gars. Il va m'en rester encore un bon petit paquet en stock. Voilà, très bien. On est bien. Et il me manque, du coup, deux petites boules du Luffy. Pour pouvoir le passer overboost. Est-ce que j'ai pas débloqué un truc? Débloquer une grille d'overboost, déjà je débloque un diamant, ça fait plaisir. Et donc c'était ici. Voyons voir, qu'est-ce qui pourrait... Est-ce que je peux le faire peut-être dans cette vidéo, ça serait bien. Pour débloquer l'overboost en entier. Voilà, je vous montre tout les gars. Ça fait une petite vidéo sympa, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu de l'amour en attendant. Alors ici on peut en débloquer un, il faut capturer 50 tas de trésors mon gars. Il me manque 16, c'est un peu long, je pourrais pas le faire dans cette vidéo. Participer 15 fois avec un défenseur, non c'est la merde. Participer une fois à un combat de ligue avec un fonceur pour combattant. Ah ça va, et là un défenseur. Ok. Ah merde non mais ça c'est les fragments que je m'en fous de cela. C'est pas les fragments que je veux.
Ah, je crois que je vais pas pouvoir le faire dans cette vidéo. Participer 5 fois au Survival 100, ça c'est facile. Ça c'est facile, mais je ne peux pas le faire en vidéo non plus. Participer 5 fois, voilà, ok, ok les gars. Il va falloir que je participe 5 fois au combat de 60 secondes. Il m'en reste plus que 4 fois à le faire. Et 5 fois au Survival, ça va, c'est facile, c'est rapide. J'aurai les deux derniers et je devrais débloquer à 100% l'overboost. Il y a moyen que je fasse une coupure au montage et que je vous montre quand j'arrive à avoir ça. Du coup, j'allais dire, je suis chaud pour qu'on se lance une game en PVP pour qu'on voie, les gars, le overboost apparaître à côté de mon score. Et en plus, c'est bien parce que là, c'est ce Luffy qui t'offre autant de fragments et tout comme ça qui te permettent de l'overboost. Parce que c'est un personnage qui, du coup, va être très intéressant en soutien. Il est niveau 100, il a ses compétences au max. Tu lui augmentes le overboost, ça lui donne en plus davantage de statistiques parce qu'il a la grille au complet, tu vois. Du coup, même en soutien, ça devient un très 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 bon personnage. Et vous savez que j'aimerais bien à l'avenir faire une team rouge avec mon fameux Zoro, les gars. Donc c'est parfait, c'est un Luffy Red, donc il a là les tags intéressants en soutien, que ce soit pour équipage chapeau de paille, génération terrible ou même du coup film Red. Et en plus, voilà, toutes les statistiques du boost de perso augmenté, ce sera un super bon soutien. Allez, on va se faire cette game, ça serait bien qu'on gagne. Alors, voyons voir. Voilà, hein, overboost, on voit juste un 1 apparaître. Pourquoi on voit juste un 1? Il y en a des fois, je crois, il y a un 36 ou quoi apparaître, hein. C'est quoi ce bail? Est-ce qu'il y a un autre truc qui se débloque une fois que j'aurai débloqué le tout dernier rond qui me manque? Parce qu'il me manque un rond, je me demande si ça débloquerait pas une nouvelle barrière, un nouveau truc peut-être. Je sais pas, c'est bizarre. Je suis étonné, je m'attendais à avoir plus. Je sais pas, il y avait overboost, il y avait un 1, tu sais? Il y avait un 1 qui apparaissait. S'il y en a qui ont la réponse aux commentaires, les gars, bien sûr, je suppose que vous avez l'élite, là, déjà en train d'écrire, déjà en train d'expliquer. Mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant à savoir. Voilà, toute mon équipe s'est fait baiser par la Nami. Enfin, s'est fait toucher par la Nami, en tout cas. Allez, ça serait bien d'essayer de choper la win. Elle est buggée, elle, là-bas, ou quoi? Non, c'est bon. Vas-y, là, dans le tas. Impeccable. Enfin, moyen. Hop là, esquive. Esquive parfaite. C'est le low kid, attention. Ça touche. Voilà, il prend cher. Et les gars, franchement, low kid en général, que ce soit avec Shanks ou Luffy, je le massacre. Ben voilà, mon allié Shanks l'a niqué. J'aimerais bien, vas-y, je peux en transformer. Esquive, non, c'est bon. Ok, on va attendre qu'il se relève, le Zoro. Il y a moyen de lui faire mal. Maintenant, voilà, mon gars, elle est impeccable. L'histoire est en marche, on est pas mal. Mon allié qui récupère le drapeau, on est bien. Mon allié qui récupère ici aussi, on est pas mal, mon gars. Là, je suis plus concentré que dans les lives dans la voiture, les gars. Là, on est un peu plus chaud. Ça va pas toucher, c'est dommage. C'est pas grave, l'histoire est en marche. Esquive, esquive parfaite, Xorox unique est là. Xorox unique est présent. Hop là, faut le harceler sexuellement. On va taper la petite esquive. Esquive parfaite encore. Mais qui peut m'arrêter, les gars? Mais qui peut m'arrêter? Pouce bleu, les frères. Mais qui peut m'arrêter aujourd'hui? On est là, on est chaud. C'est la victoire, les gars. On joue le MVP sur cette game. Ça sent bon. La petite viande. Ah, mange tes morts. C'est bon, on a pris la viande. Elle m'a repoussé ma compétence. T'sais. Ma compétence, elle a baissé le temps de recharge. Mais c'est bon, je l'ai de nouveau. On a le boost d'équipe, ça serait bien en pro. Ah, elle m'a mis une bifle. Non. Dommage, mon gars. À chaque fois qu'on a le boost d'équipe, c'est terrible. C'est là que je me fais niquer, gros. On était bien, on était bon, mon gars. Et c'est quand j'ai le boost d'équipe que je peux faire bien mal que je me fais niquer. Ah, le Trafalgar, il va le tuer. Il le tue, impeccable. Putain, frère, pour l'instant, les gars, la tête de Wham. J'ai jamais vu le moindre low kid faire une belle performance en game. La tête de Wham. Pour l'instant, j'en ai vu aucun, gros. Tous, je les maltraite. Tous, mon équipe entière, les maltraite. Elle est où la Robin? Pourquoi ça n'a pas visé la Robin? Elle était morte avant. Dommage, le timing n'a pas dû être très bon. Allez, il reste 48 secondes. On est en train de mener, mais attention. Le Zoro, là. Oh merde, il va me faire mal. Non, impeccable, mes alliés. Bien wesh, ça, bien wesh. Super, l'équipe qui fait du bon taf aussi. Elle se passe bien, cette game. Que des numéros 10 dans ma team. Ça sent bon. 30 secondes. Voilà. Dommage. La Robin. Mais frère, mais vise-la au bout d'un moment, la Robin. C'est pas possible, ça. Oh, le King. Oh, le King. Je le sens pas. Pas maintenant. Non, là, on va essayer de viser ici. Attends, vas-y, dégage-la. On récupère ici, il faut dégager la Robin, vite. Oui, mon gars. Oui, mon gars, on récupère. 3 secondes. Attention au kid. Il est où? Il est là-bas, le King. C'est bon, ça sent bon. 8. Non. Fume-le, voilà. 4. Là-bas, il a pas le temps. C'est la victoire. Voilà, mon gars. De la game serrée, de la game épique. C'est ça qu'on veut. Je suis pas MVP, ça me fout le démon, gros. Franchement, j'ai fait une bonne game.
L'équipe a fait une bonne game, allez on lui met le petit GG. Jolie game, voilà, ça me fait plaisir ça de base là. La vidéo c'est une vidéo overboost. Mais derrière, petite game PVP qui se passe très très bien. Ah, je suis troisième mon gars, mais franchement j'ai fait du bon taf. Mon équipe a bien géré aussi, impeccable. C'était carré. Petit diamant en bonus en plus, ça fait plaisir. Bref les gars, c'était surtout pour voir le overboost apparaître sur mon personnage. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de faire les missions en off. Et du coup, je vous montre les gars le résultat tout de suite après. Voilà, j'espère que ça va débloquer un nouveau truc d'overboost. Voilà les gars, putain c'était long mon gars, c'était chiant, surtout l'entraînement. En plus j'ai essayé, j'ai forfait une game et ça m'a dit que non, en fait ça compte pas, tu vois, ça comptabilise pas. Mais c'est bon, j'ai bien tous les trucs, c'était ouh, l'entraînement gros, c'est un petit peu casse-couille. Voilà, normalement mon gars, là on est bon. Bam, c'est bon, on va avoir le 52 sur 52. Mais oui, mais dégage, t'es mort, voilà, merci. Overboost, voyons voir, qu'est-ce que ça modifie? Est-ce qu'il y a un bail? Ok, on passe à 2, total de libération. Alors c'est quoi ça gros? Plus 6, plus 4, ok. Accomplissement obtenu, ok. Si je fais échange d'orbes. Attends gros, que je fasse pas une connerie, hein. Ok. C'est quoi ça en fait, échange d'orbes? Ah merde, putain, j'aurais pu en acheter là gros, au lieu de me faire chier à faire le... Ah, t'es mort putain, c'est pas grave. C'est pas grave, restons concentrés, restons focus. Ok. Mais gros, ça c'était pas disponible avant. Ok, ah ouais, putain, merde, gros, fais chier. Là, j'aurais pu échanger les fragments que j'avais, j'en avais au taquet contre ça. Putain, merde, si j'avais vu ça plus tôt, tu vois, je l'aurais fait directement. Putain, j'étais con. Mais là, au moins, les gars, pour la vidéo, vous pouvez voir ce qu'on peut faire. Là, voilà, éventuellement, par exemple, s'il y en avait, ils étaient dans le même cas que moi, et là, vous n'aviez pas besoin d'aller farmer ce que j'ai farmé pour obtenir la mission. Il fallait juste échanger les fragments ici contre les fragments qu'il me fallait, là, des fragments comme ça, tu vois. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, ok. Donc là, on a le boost à fond. Donc j'imagine qu'il y a une mission qui est débloquée. Voilà, débloque 2 grids overboost. On a un petit diamant. Ok, ça fait plaisir. Mais là, logiquement, si je me trompe pas, ça y est, je suis donc overboost max. Ah putain, attendez les gars, je suis en train de me poser une question. C'est, regarde, j'ai un 2 à côté de l'overboost. Est-ce que ça voudrait dire que par rapport à tout le nombre de personnages, le nombre de grids overboost que tu as ouvertes, ce chiffre augmente, ça serait donc ça. Et du coup là gros, tout l'overboost que je viens d'augmenter, en fait juste en mettant au maximum un personnage, ça me donne seulement 6 points d'attaque en plus sur tous mes persos. Du coup c'est ça en fait que je comprends en fait. Et si j'augmente 2 grilles supplémentaires sur un autre personnage, donc 2 overboosts de plus sur un autre personnage, ça augmentera ici l'overboost à 4 et ça augmentera certainement une autre statistique. Putain, du coup c'est triste là gros, t'imagines, ça veut dire que je suis juste overboost 2 et ça donne 6 points d'attaque mon gars, c'est inexistant. 6 points d'attaque, c'est ridicule. Donc au final, là où c'est le plus intéressant, là actuellement avec ce que je viens de faire, c'est qu'en soutien, il va donner pas mal de points, le Luffy, tu vois, parce qu'on lui a pas mal augmenté les stats. Mais en termes d'overboost, en fait, seulement de grid, ben, c'est 6 points d'attaque, c'est ridicule, c'est relativement inexistant, tu vois, dans 2100 points d'attaque, par exemple, c'est assez inexistant. Ouais, les gars, normalement, c'est ça, du coup, hein. Ben, je t'avoue que petite déception, je m'attendais à ce que le chiffre soit beaucoup plus haut, vu que des fois, t'es là, tu tombes sur des quemés à overboost 36, je me suis dit qu'en fait, c'était par rapport à chaque case qu'on améliore ici, ça augmente un petit peu, voilà, potentiellement de 2, tu vois, le mec il arrive à 36 en augmentant seulement un personnage, mais non, là tout ça gros, tout un personnage augmenté, ça augmente seulement 2 cases, c'est triste, c'est très triste, je pense que j'ai vu juste, je pense que c'est ça les gars, pour ceux voilà, qui s'y connaissent de ouf, n'hésitez pas à confirmer en commentaire, mais petite déception les gars, mais voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant de comment overboost, des petits conseils, qu'est-ce que ça fait exactement, quelles statistiques ça augmente, voilà, vous avez toutes les réponses dans cette vidéo. J'espère quand même que ça vous a plu les gars, ça fait du petit contenu sympathique et en plus une petite game PVP plutôt sympa. Petit pouce bleu de l'amour et tout les frères. Et sur ce, bah, kiffez bien la vie, portez-vous bien, allez ciao ciao.